Bon, départ au Salon de Lyon, samedi matin, un brouillard, que dis-je, un brouillard, un temps magnifique. En plus, mon pote avec qui j'y vais, hein, qu'est-ce qu'il me dit à 8h? Oh mec, ça fait 3 fois que je démarre même MT-09 en la poussant, je démarre plus, j'ai plus de batterie. Bah voilà, c'est bien le MT-09, c'est fiable. Bah voilà, du coup, bah, je crois rien, à 15 minutes de retard, ça va aller, c'est pas horrible, mais ça commence très bien. Allez, on se retrouve à Lyon. Bon, il est 9h30 du matin, bah parce que du soir c'est un peu compliqué. Bouchon, 15 minutes de retard, froid, je fais un récap pour ma vidéo. Et là, voilà, on suit gentiment les petites motos qui nous ouvrent la voie. Allez, cassez-vous là, cassez-vous. Bisous de crabe. Oh, avec ta vieille trique dégueu. Attends, regarde avant, tourne un peu plus la tête. Descends un peu. Non, remonte un peu. Remonte un peu. Je vois mon reflet, je suis magnifique. Bah, c'est, ça c'est malin. Surtout qu'il y a la police juste derrière nous. Hein. Bah non. C'est quoi là? C'est là? Wouah, c'est le monde! Regarde à gauche! Wouah! Oh là 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 là, c'est le monde! KTM c'est tout? KTM c'est des vélos maintenant? Ah, le Niken Turbo! C'est celui-là? Ouais, c'est le Niken Turbo! Mais non. De Franck! Attends, si je dis pas de conneries, c'est celui-là! Oui, oui, regarde, il y a le turbo en bas! Le mec, il y a un turbo sur un Niken! c'est un malade! Il est tellement propre, gros, tu le vois! Elle est magnifique! C'est intégré, ah non, mais il est incroyable! Hein. Ah bah gros, tu l'as ton RAM là? Il est où le RAM? Là! Non! Oh le dire, tu veux un hélico ou pas? Ah la Panigale V4 mon pote. Cet avion de chasse. Avec la petite Huracan derrière, 299 R1M full carbone. Ouais mais mec. H2 quoi. R1, bah voilà forcément. 290. Bon je m'en fous, toi tu prends quoi là-dedans? Si tu devais prendre un truc. Ouais. Si tu devais prendre un truc. Un truc gros. Ouais. Ta fille, moi je prends la Lambo, mec. C'est la C2000 RR. R. Ouais, ok, je préfère le coup à cran par rapport à l'Ori. Oh, ouais. Oh, s'il te plaît, la tarte. Ouais, oh, HP4, mon pote. Full carbone. Puis elle a mangé celle-là. Regarde les poulettes. Ça, mec, celle-ci, je l'ai. Mec, tout l'air qui rentre là-dedans. Ah oui. Toi, tu gênes. Elle est magnifique, oh gros là. Je suis pas très triomphe, mais ça c'est vraiment la, pour moi c'est la triomphe la plus réussie. Mais ça... Ah là mec, la peinture pailletée comme ça. Ouais. Je kiffe. Hein. Franchement, même pour le pire vadeur, oh là là, mec, c'est incroyable. Regarde le petit kit frein qu'il a mis. Ah ouais, je crois que c'est un kit à 3000 balles, c'est ça? Le sous-frein Behringer. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Hein. Oh la tête du turbo en fait. Ah, tu m'étonnes qu'il siffle mon gars en vidéo. Mec, il est où le pot là? C'est vide. Putain, elle est magnifique. Avec le petit drapeau français là. Ouais, elle est terrible. Elle s'est énervée à Niken quand même. Hein. Le petit scotch des familles. Le petit scotch. Ça, c'est pour gagner du temps en montage, mon gars. Il est beau en vrai. Putain. Même le Z, il est beau. Bah, le Z, il est magnifique. Mec, j'ai jamais vu en vrai, mec. Yes, ça va les gars? Ça va, tranquille. Tranquille. Putain, ça fait bizarre de te voir en vrai. Ah, mais gros. Tu sais ce que tout le monde me dit? On te voyait plus grand. Du coup, j'ai le seum. Ouais. À chaque fois, je prends une photo. Bah ouais. On peut dire, on te voyait moins musclé aussi, peut-être. Petite question. Ça me fait moins. Oh, sa taille. Gros, j'ai fait, tu sais ce que j'ai fait là? On a fait des photos, je faisais comme ça. Ah, c'est bon, vas-y, prends la photo, prends la photo. Attends, tu veux que j'enlève la veste ou pas? Non, c'est bon. Parce que même à côté, gros, tu vas être ridicule. Non, mais toi, t'es gueule. Est-ce que vous savez où est le stand de Tom... Ah, Tom Bikes. Ah bah tiens, Tom Bikes. B25, c'est où ça? Ok. Mais on est où là? On est 27 là. Porte 27. Attends, c'est les trucs électriques. Cana, Honda, BMW, Paddock, Ingen, Suzuki. Triomphe, ok. T'es là, bon. Là, genre. Là. Ok, alors attends, Triomphe est là. Tu vois, t'as les professionnels. Ouais, j'avoue. T'as les mecs en GoPro. Je vais y arriver, gros. Je dois être là dans combien de temps?
Bah non, en fait. Bah ouais, bah comme d'hab, de toute façon. Non, bah en fait, non. Putain, elle est là en plus. C'est la V4. C'est quoi ce bruit là? V4. C'est V4. Mais non. Vite fait quand même. Non mais il est trop tard, regarde. Ah. Ah c'est fini là. Ouais. Ah bah on est content d'être venu. Bah directement sur ta patrie en fait. Oui, il est tout petit. Mais tu le dis, c'est mille où tu veux. Tu le mets sous la salle, c'est tranquille. C'est ça. C'est bizarre de voir sans lunettes, hein. Ouais. C'est tranquille. J'ai vu que tu m'as filmé tout à l'heure. Non, je le mettrai pas, t'inquiète. D'accord. Tu connais déjà, tu veux... J'ai mais je te suis depuis que t'as 10 000 abonnés. T'as déjà vu à quoi ça ressemblait en démo? Non, pas en vrai, pas en vrai. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est la plus grande en réel de la moto. Il y a Alex. Vous pouvez trouver en fait tous les trajets que vous allez faire. Pour les road trips et tout. Là, tu vois, là on voit qu'il y a un très très distant là. Exactement. Tu vois la météo carrément qui est enregistrée avec la position du soleil qui change carrément. Tu l'avais montré ça en vidéo. Les nuages, la pluie. Enfin, tu vois, on essaye vraiment d'aller loin. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième. Puis du coup, le réseau social. Ouais, d'alarme connectée. Te donner une idée de la réactivité. Hop, notification, la moteur. Ouais, y a pas de ouais c'est direct. Les gens, quand ils voient ça, ils sont. J'avais vu la vidéo de l'abonné qui a retrouvé sa moto en moins de 24 heures. On a plein d'histoires de dingue. C'est un truc de ouf. Ici à Lyon, il y a un mec qui a trouvé deux fois sa moto, la même. Deux fois. Il a trouvé deux fois le passage de ride, tous sans GS. Ouais. Le mec, il est sur le Discord. Hein. Il a le seul badge qui s'appelle Double Survivant. Double Survivant. Ah oui. Il a vendu sa moto, il en pouvait plus. Les GS, bah, en même temps, ils sont volés de fou. Ouais, c'est deux fois de ces mecs. Ouais, ils ont karma de merde. Oh, les postes de pilotage, c'est la première fois que tu vois une H2 ou quoi? En vrai? Une H2, H2, ouais. C'était que des H2 SX. Oh, le pauvre en titane. Ah, mais c'est un Akrapovich, ça. Ouais. Oh, il est d'une beauté. Gros, t'sais pas comment ça brille. Bah, c'est une ligne en titane, hein. Non, mais c'est même pas le chapeau, là, gros. C'est l'entrée du spot, c'est le compresseur, c'est le truc qui arrive du compresseur. Ah, ouais, mais c'est un mec. Tu sais, c'est 200 litres d'air par seconde. Full carbone. Ah, je sais plus comment ils appellent ça le carbone, mais il avait un nom spécial, mec. Elle est magnifique, franchement, gros. Elle est carrément. On dirait du marbre. Oui, franchement, je l'avais vu en vidéo, mais là, elle est d'une beauté en réalité. Ok. C'est vrai que c'est vachement joli. Mais moi, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est du marbre, il est d'une beauté. Ce qui est rigolo, c'est que Rotobox, qui est un produit que commercialise Franck, vient de sortir une nouvelle jante, donc Carbone, et qui en fait, comme vous le voyez, elle a un aspect de surface cette fois-ci. Celle qui est derrière le monsieur qui est en train de. Ouais, je la vois. C'est un effet Chopin. Oui, et à l'intérieur, elle est bien. C'est-à-dire que là, c'est un tressage, et là, ils ont jeté quelques copeaux avec comment, un vernissage. Oh, c'est tellement léger, putain. Ils ont joué ce look-là, et vient de tendance. En fait. Ah, c'est bon. La jante elle fait 2 kg. Ouais, 2 kg 7. Oh le monstre. Oh le monstre. Ah ouais, putain, hey, ils ont fait très très fort là. Oh mec, j'ai des frissons. Ah mais ils l'ont réussi. Hein. Oh, ils l'ont réussi, mec. Mais mec, elle est simpliste. T'as l'écran TFT? Avec le putain de mélange. Elle est magnifique. Elle est terrible. Franchement, mec, elle est. Mec. Oh là là là, elle est incroyable. 22 000 euros. Ah, mec, ma main? Acteur hollywoodien. Bon, ZDR, ouais, ça on s'en fout, on est pas venu pour ça. Ah oh, putain. Ouais, ah non, non, c'est dégueulasse. En vrai, j'aime pas. Ah non, je préfère largement la Street Fighter. Elle est dégueulasse. Ouais, c'est pas dégueulasse. De la comparé à l'autre. Ah non, bah le coup de cœur, c'est clairement la Street Fighter.
Avec ce... Non, honnêtement, je peux pas. Alors, de côté, comme ça, elle est belle. Bon, t'es prêt maintenant? Tu veux voir une vraie H2R? Ouais. Allez, c'est parti. Il manque un truc à droite là, c'est très très bizarre. Mais non franchement on est bien assis etc. Ça a d'être facile de bien tartiner avec, mais je suis non franchement je suis pas fan. Autant la Street Fighter, je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui oui non la Street Fighter, on est d'accord, c'est incroyable. C'est le coup de cœur du salon pour moi. C'est t'as vu? T'es pas un truc sur l'avant là. Non t'es bien, franchement t'es bien. Ouah tu t'es levé gros, la moto elle a pris 15 cm. C'est-à-dire que t'as un gros sac. Ouais, Aprilia, elles sont énervées. Carbone partout. Magnifique. Mais bon, c'est vachement haut, ça. Si je prends une Aprilia, mec, y'a pas à chier. Hein. Bon, c'est pas le même prix. Là. C'est pas le même prix, je m'en fous, j'investis. Pour moi, c'est prouvé. Et puis ça chante, hein. Putain, je les kiffe trop, c'est pour un crâne, mais c'est trop beau. Ils sont magnifiques. Okay. Tu sais que je crois que les premiers pots comme ça, c'était sur la R. C'est carbone. Bien sûr que c'est du vrai carbone. Oh comment c'est large le guidon. Ah puis les trois flûtes comme ça là. Oh. C'est terrible, franchement. Regarde comme elle était bleue la ligne. Les peaux sont vraiment violentes. Oh la ligne au titan. Non mais puis les jantes gros, regarde les jantes. Ouais, j'aime bien. Ah oui les jantes. Les jantes bâton gros. Ils sont belles. Avec le couvre-jante. Par contre, ouais. Tu vois, on voit plus le monobloc quoi, parce que j'aime pas. Ouais, ça, c'est horrible ça. Bravo. Suspension pilotée. Ah, elle est méchante. J'avais fait le bruit. Regarde la selle. C'est quoi le concept? Oh, le... Eh, mais les peaux, ils sont énervés. Hein. Ah, est belle. Ah, mais oh putain, mec. C'est trop. Regarde ça, mec. C'est une trail.